C'est la tradition. La célébration du Mardi Gras n'a pas manqué cette année en Côte d'Ivoire. Dans ce centre de protection de la petite enfance, situé dans la commune de Cocody, l'accent est mis sur les vêtements des peuples africains pour une meilleure promotion de la culture. C'est pour montrer aux enfants qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a autre peuple, que nous sommes unis. Donc on doit vivre en harmonie et dans la paix pour notre pays comme pour d'autres pays. Pour la circonstance, les enfants ont eu droit à une exposition. Quand on parle de la culture brun, moi, étant un fils brun, je me sens concerné. La responsable de cette classe est venue me voir pour que je puisse lui donner des instructions, des informations sur le royaume brun. Et c'est ce que j'ai fait. Au niveau de l'éducation que nous donnons aux enfants, c'est un plus, en fait. C'est un plus parce qu'à travers ces valorisations-là, nous apprenons aux enfants à parler les langues des autres, à connaître les mets des autres, à connaître la tenue vestimentaire des autres, à connaître la culture traditionnelle des autres, à connaître les chants, les us, les poésies, les comptines des autres, à connaître l'histoire de leur peuple et des autres peuples. Une initiative saluée par les parents d'élèves. C'est une fierté pour moi en tant que parent, parce que ça apprend aux enfants à connaître leur culture. Voilà. Et pour nous aussi, parents, ça nous apprend aussi. Il y a des parents qui ne savent pas leur culture. Pour nous, on apprend beaucoup, c'est alors pour laquelle on est là aussi, on assiste pour voir un peu le génie des enfants. Célébré la veille du mercredi des cendres, le Mardi Gras se veut une occasion de carnaval au cours duquel les enfants se déguisent avant d'aborder la période de jeûne et d'abstinence.